Salut tout le monde, ici FonTHQ. Aujourd'hui, je vous présente une application qui est disponible sur Cydia. Donc, cette application-là, ça s'appelle NotFont. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est tout simplement changer l'écriture dans votre application Note. Donc, vous pouvez soit mettre l'écriture Arial, Comic Sans MS, des écritures comme ça. Puis vous pouvez changer la grosseur aussi, que ce soit pour le titre ou l'écriture dans votre note. Donc, je vais vous montrer tout ça avec les réglages qui sont disponibles. Premièrement, on va aller dans Cydia pour télécharger cette application-là. Donc, on ouvre Cydia, puis on va laisser faire le loading data. Donc, ça, je peux annuler ça. J'ai pas besoin de faire le rechargement des données. Donc, j'attends le reloading data. Et voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va aller dans l'onglet Search, puis on va marquer NO. TESFONT. Donc, c'est NotFont. Donc, c'est ça. C'est la version 1.0. Puis, l'application coûte 99 sous. Donc, ça dit que ça prend l'FMOI 4.0 ou plus. Donc, vous devez avoir la version de votre appareil au 4.0 ou plus pour que ça fonctionne. Donc, c'est ça que ça dit. Ça permet de modifier l'écriture de Mobile Note App. Donc, vous faites installer, confirmer. Si vous voulez l'application, une fois que c'est fait, ça va peut-être demander de relancer le Springboard. Vous cliquez dessus, puis ça va relancer votre appareil. Donc, ensuite, si on va dans Notes, là, vous pouvez voir, j'ai changé l'écriture des titres. Je l'ai mis en Arial, en format 18, mais on peut le mettre en plus gros. Donc, si je fais plus pour en ouvrir une autre, je vais l'appeler, mettons, on va l'appeler iPod Touch. iPod Touch Isa Pro. Là, vous pouvez voir l'écriture inchangée parce que je l'ai déjà changé. Fait que si je fais Done, là, il va s'appeler iPod Touch Isa Pro. Fait que si je reviens, il va voir en arrière ici. Là, on va aller changer l'écriture dans Réglages. Donc, il y a un onglet NotFont qui vient d'apparaître, juste ici. Si on clique dessus, là, vous avez l'écriture des titres. Donc, vous avez plusieurs choix ici. Vous pouvez mettre en n'importe quoi. Tantôt, j'ai dit Comics Sans MS, mais il n'y a pas de l'air de l'avoir. Time New Romans, l'écriture standard. Par défaut, c'est ici, Marker Felt. Donc, ça, c'est l'écriture par défaut. Sinon, vous pouvez le changer. Courrier New, je pense que c'est l'écriture... elle n'est pas très belle, mais elle fait différente. Donc, mettons que je mets ça pour les titres. Puis, je décide de mettre les titres en plus gros. Fait que je vais le mettre en 24. En 24. Puis, ça ici, je veux que ça soit... Zap Fino. Aucune idée c'est quoi, on va le tester en même temps. Puis ça, je veux que ça soit petit. Donc je vais le mettre en 8, mettons. Puis là, je peux revenir en arrière. Donc ça, c'est Courrier New 24, Zap Fino en 8. Donc si je reviens, je passe sur le Home Button, je retourne dans Notes. Là, on va voir ici que ça a grossi, puis ça a changé l'écriture, c'est en Courrier New. Puis si je pèse là-dessus, ça va avoir changé. Oups, là c'est en lettres attachées. Donc, on peut voir ici iPod Touch Isa Pro écrit en tout petit. Donc, là, pour cette écriture-là, il va falloir le grossir. Je ne savais pas que c'est ce genre d'écriture-là. Donc, c'est ça. C'était pour vous montrer comment changer l'écriture. Vous faites juste changer dans les réglages, puis ça va automatiquement se changer dans l'application Notes. Donc, c'est ça. C'est FonTHQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchIsaPro.com. Merci beaucoup. Au revoir.